Ça va, Phil? Une petite interview? Ça va, nickel. T'as besoin d'aide? Non, merci. Bon. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Magny-Cours. Je vous invite à vous rendre sur la pit lane derrière le 40 pour le briefing et merci de vous dépêcher un peu pour ne pas perdre de temps sur l'ouverture de piste. Bonjour. Bonjour à tous, je suis l'amplitude Châtelet, l'un des deux coachs du club. Vous pouvez me rejoindre devant le lot du club pour un petit briefing très rapide avant l'ouverture de piste à 9h. Merci. Il nous manque juste notre représentant de chez GLR, si tu peux le donner en rejoint pour vous aider. Ça va, toi? Donc, bonjour à toutes et à tous.
Merci de vous faire l'honneur de votre présence dans cette circuit du jour pour le second round de 5e WMCE de France. Alors, une petite invitation, on est très heureux de vous accueillir. Alors, donc, cette journée est bien évidemment sous le signe de la bonne humeur, du partage, de la passion. Donc, je fais toujours le petit récap, le petit rappel sur l'état d'esprit de la journée. On accorde énormément d'importance avec le club sur le fait que ça soit des journées qui sont des journées gentlemen. Donc, qui dit journée gentlemen dit journée respectueuse de tous les niveaux. Les niveaux, on en a des très différents, que ce soit en termes de pilotage, en termes d'expérience. En termes également de véhicules, vous avez des gens ici qui ont des autos de course, donc avec des vitesses de passage en route qui sont très importantes, on avait deux cibles. Vous avez des autos qui sont des autos de série, donc avec aucune modification, et avec des gens qui peuvent être néophytes au volant de voiture série, vous pensez aussi qu'ils peuvent être néophytes au volant de voiture de course. Donc c'est pas parce que vous voyez une voiture de course que là forcément, vous voyez très très vite, vous connaissez très très tard. Ça peut aussi être quelqu'un qui est en découvert. Donc, ce que je veux vous dire, c'est faire très attention, encore une fois, sur la gestion du trafic, la gestion de vos déplacements. C'est la clé d'une journée où on garde tout le sourire avec nos autres en bon état. On sera vraiment intransigeant, j'insiste là-dessus, sur la façon de le faire. D'autant plus que on est tout le monde sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et j'ai pu avoir.
Et là, les inspecteurs vont vous demander de faire un bonjour pour qui ? Lui, vous êtes là, vous pouvez reprendre la... Tout le monde est concerné, hein, donc dans le poste de BMW Blue Rock, on vous demande de sortir, s'il vous plaît, de revenir vers nous. On vous a demandé de nous rejoindre, puisque ça fait une hier qu'on a commencé la visibilité et on s'aperçoit que sur la piste il y avait des disparités entre les différents pilotes. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le nombre de véhicules sur la piste. Et pour votre sécurité, et uniquement pour votre sécurité. Donc on va passer de 50 voitures à 35 voitures dans un premier temps, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir rouler correctement tout au long de la journée. Mais ça va être la première solution pour réguler le flux en piste. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que tout le monde ne fait pas attention et ne se comporte pas forcément bien sur la piste. Il y a des trop grandes disparités de vitesse. On va vous demander de faire bien attention à ça, c'est-à-dire que la personne qui va plus vite que la voiture qui va détaper, c'est elle qui doit être mise sur son véhicule et pas l'inverse. Tout le moment, c'est pas le plus qui se passe. L'autre chose, c'est qu'on va vous rappeler aussi les règles de sécurité sur la piste, c'est Philippe qui va le faire. Donc, 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, moi je vous dirais simplement... Je vous laisserai simplement un message simple, c'est que le comportement que vous avez eu pendant la première demi-heure, c'est une généralité, mais c'est très bien qui vous concernait, c'est un comportement qui n'est pas du tout en adéquation de ce que je vous ai dit au début. Encore une fois, si vous n'avez pas d'écoute active, malheureusement, vous allez perdre à chaque fois 20 minutes, 40 minutes. Alors, ça ne fait plaisir à personne, surtout pas à tous ceux qui jouent le jeu. Donc, c'est un premier avertissement, et croyez-moi que ce sera le dernier. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le premier qui déroge à la règle, et ce sera la fin pour vous. Je préfère à Anthony et à Eric. On préfère avoir une personne qui est mécontente plutôt que d'avoir tout le monde qui est là et qui ne roule pas. Ok ? Donc on va être extrêmement clair. C'est un premier appel. Des journées comme ça, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu, ça commence par la sortie de piste. Vous ne pouvez pas commencer à rouler et à vous mettre à battre de suite. Vous ne pouvez pas commencer à rouler et à être dans un chrono de suite. Si c'était le cas, ça vient de passer 50 ans professionnels. Pour savoir que vous pouvez être rapide et être important. Donc, je pense que pas mal de gens dans le groupe qui vont dire on a parlé convertiment, donc toute la journée, c'est le bon, prenez le temps, respectez-vous, et la journée ça sera bien, on sera tous très fonctionnels ce soir. Comme il y a un avertissement, je vous laisse retrouver vos autres, je vous remercie pour votre écoute. Et une dernière précision pour les voitures de course, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Hans. Casque, combinaison, pour les voitures de course à sauter. Donc il y a une personne tout à l'heure qui était avec une Porsche Cup qui s'est retrouvée surprise au début du starter. Il ne laissera pas passer si vous n'avez pas d'avance. C'est logique, c'est la règle et on l'applique pour la sécurité. Le départ sera lancé dans 10 minutes. Merci.